moi, corre su Cristo e cumi samanero. Il mérite la gloire. Azaleo e abongi nam kembo. Il ne s'est pas improvisé. Il ne s'est pas improvisé, Dieu. Ah, o kokite koe sans abelo kaposa na poisa. Lui ne s'est pas improvisé, Dieu. Aye bakate kosa le loko na poisa. Les œuvres qu'il a fait témoignent qu'il est Dieu. Ah, misalo ya sala de zalikota tola et azalinza me. Parce que dans ce pays aujourd'hui, les gens peuvent se lever un matin et devenir Dieu. Mete na mboka o motoki kula mukatongo moko pe ami benginza me. Donc du temps des prophètes, zokande na tango na basakoli, Dieu était prouvé par ses œuvres. Ah, Zambia Zala qui contagne sa mandée dans Missalo Yaye. Élie à son temps, il a dit, Élie à Natango Nealobaki, et l'on nous apporte, Bamé Mélabiso, le deux peu, Bamé Mélabiso, Bangombe à Mibali Mibali. Dieu que chacun mette cela sur un hôtel, et Moko la Moko, Atia Yaye, Nicolone, Tumbelo. L'Éternel a accepté, Pé Yahweh Antimaki, des concours. Devant les hommes, pour démontrer qui est Dieu. Et les prophètes de Baal s'étaient approchés. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Regardez, c'est très intéressant parce qu'il y avait deux bœufs. De la même manière, le bœuf là, ah, bangombe, quand vous le regardez, ils étaient égaux. Ah, basalaki denge moko. Est-ce que vous me suivez? Ah, deux bœufs. Ah, bangombe, de la même manière, si on les décrit, on le décrira de la même manière. Si on peut étudier cela, on trouvera qu'ils sont égaux. Alors que lui n'a choisi qu'un seul. Le prophète de Baal aussi avait pris un. Si tu ne connais pas bien ces choses, en voyant ce deux bœufs, tu dis, ah, Élie et le prophète de Baal sont des frères. Parce qu'ils utilisent le bœuf de la même manière. Écoutez-moi, ce matin, devant les groupes de gens, ils se trouvent la même Bible. Écrit de la même manière. Voyez ce qui avait les deux. Alors si tu les vois parler, tu diras ce sont des collègues. Parce que Nicodème lui-même disait, nous savons, ils sont des toi, tu es un docteur qui vient de Dieu. En d'autres termes, moi, je ne suis pas venu de Dieu, même si je suis appelé docteur. Il y a des évangélistes et des hommes, des prophètes et des hommes, apôtres des hommes, docteurs des hommes, et il y a les docteurs des dieux, les évangélistes des dieux, les prophètes des dieux, les églises des dieux. C'est pas parce que tous nous avons la Bible et que nous sommes frères à tous ces gens-là. C'est pourquoi il lui a dit, amenez-nous deux bœufs. Et chacun de nous va préparer. Ah, mon corps,
Les prophètes des Baals sont venus. Ils ont crié. Ils ont crié. Il n'y a dit rien. Et le monde j'aime les lits. Nalinda Kaelia. Il est moqué comme les prophètes. Ah, Asapo Joli Peta. Comme faisaient les prophètes. Nenge Basako Mazaya Kusa. Il est là dans les calmes. Ah, Nenge Basako Likia Asapo Sabat. Il regarde les prophètes. Asakimi Azotal. Il crie. Baso Kanda. Crie. Baso Kanda. Et ton ils ont commencé à prophétiser. Ah, Baba Niko Sako. C'est ce qui est écrit. Ah. Et vous, quand vous écoutez quelqu'un parler comme prophète, vous dites c'est Dieu qui est là. Ah, tant que qui monte sur le corps, vous savez bien, ça me dit. Les prophètes de Baal, Basakolaba, ils ont prophétisé. Basakolaki. Mais, et lui, il les regardait. Et il y a Taliban. Il dit non. T'es, crie encore. Ah, Bouganga, il se crie. Bouganga. Parce que, pointe, c'est un petit Dieu. Asali, ça m'a manqué. Il se peut que, et peut-être, il soit occupé quelque part. Qui voyage sans se déplacer. Ah, ça peut vous passer comme au même moment dans la tête. En restant fidèle là où il est. Ah, caca, mais si casse. Est-ce que vous avez compris? Ou ce soir, je répète, Namadé, l'éternel, Yahweh, il voyage à ça la bombe sans laisser un vide. Aninaratia, si que si canaille, là où il est. Amen. Amen. Tu vas comprendre ça. Pour que ce soit la même loi et moi. Ce matin, chacun de nous était à la maison. Nous avons fait ces voyages. Dans notre déplacement, là où nous étions à la maison, nous avons laissé un vide. Si vous nous cherchez, nous sommes ici. Mais l'éternel ne voyage pas comme ça. Il voyage. Tu le vois ici. Mais quand tu regardes, là où il était, il est. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Et ça, quand il y a un la bongo, tu diras comment ça. La Bible dit il est descendu. Il est acquitté sur la montagne de Sinaï. On a vu la nuit descendre. La montagne tremblait. Les hommes savaient que l'éternel Yahweh est descendu. Acquitté. Mais quand il a commencé à parler, au lieu de parler sur la terre, la voix est sortie du ciel. Il était aussi au ciel. Il n'y a que lui qui se baisse. Mais Baal, s'il voyage, il est ici. Avec un petit magicien qui les consulte. Les autres magiciens qui crient là-bas. Baal est occupé. Il ne peut pas répondre à plusieurs personnes à la fois. Mais l'éternel, il répond à tous les hommes au même moment. Il entend toutes les langues sans avoir besoin d'être habité. Il faut l'aimer. C'est lui là notre Dieu. Pourquoi nous et nous ne sommes pas des frères? Non. Nous avons la même Bible. Comme il y avait le même bœuf. Les autres prophètes de Baal. Ils n'étaient pas des frères. Parce que eux, ils adoraient Baal. Et lui adorait l'éternel. C'est l'éternel qui a envoyé Élie. Mais ils sont Baal qui les avait envoyés. Est-ce que c'est clair? Non, mais c'est exhortation. Ah, je t'exhorte. Même si nous chantons les mêmes cantiques de victoire, la Bible, mon nous lisons la même Bible. Mais nous ne sommes pas des frères avec ceux-là. Amen. Notre fraternité, c'est ce que nous allons voir. Passons à la lecture des Écritures. Apocalypse 22. Mon canaille et mon isseri, tout coup, mille de la verset 6 jusqu'au verset 9.
Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ses livres. C'est moi. Qui a vu et entendu ces paroles. Et quand j'ai entendu, et puis, j'ai tombé au pied de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères, le prophète. Et de ceux qui gardent les paroles de ce livre, adore-t-il. Ça, c'est la parole. Dans quelles circonstances ces paroles ont été dites à Jean? Dans la nature, Jean était arrêté. Là, dans l'île de Patmos, il n'était pas parti faire le tourisme. Quelqu'un qui se dit, bon, je demande quoi faire, je vais voir. Et c'est pas comme ça. On l'appelait Arrête. Est-ce que c'est italien? Vous savez, au jour qu'on l'avait arrêté. Oui, mon collègue. Si c'était toi et moi, ce qui est Zaraki, on a là, nous dirons, ton collègue était Dieu, ne nous connaît pas. Samba et lui sauter. Mais moi, tiens avec votre cœur. On a là, il m'a monté, moi, il m'a Jean serviteur de Dieu. Arrêté. Où était Dieu quand on l'arrêtait? On ne l'avait pas arrêté parce qu'il avait mal fait. Simplement parce qu'il apportait un témoignage. Tu peux être dans la droiture. Tu peux marcher selon le Seigneur. Il est possible que les choses bizarres arrivent. Dans chaque circonstance, examine seulement ton cœur. Si tu es dans la droiture, si tu es dans une bonne relation avec Dieu, glorifie le Seigneur. Mais si tu te rends compte que quelque part tu es coupable, répands-toi. Peut-être Dieu qui t'interpelle pour te ramener dans la raison. Jean, Yohan, un apôtre excellent. Wazaki, Thomas, il n'a pas été appelé comme toi et moi. Parce que nous pouvons être des choses. Comme aussi des vrais. C'est Dieu seul. Mais Jean, il reçut l'appel. Il touche à l'oreille. Suivez-moi. Si toi, so qui tu peux douter, Jean ne doutait pas. Il savait qu'il était serviteur. Mais comment un serviteur de Dieu arrêté par des gens qui ne connaissaient pas Dieu? Comment c'est Dieu l'a permis? Que ces serviteurs innocents soient arrêtés et maltraités.
C'est ce que je te dis, frère et sœurs. Connaître la vraie parole. Servir le vrai Dieu. Rien n'est possible. Et Dieu, et il peut permettre que tu traverses des moments difficiles. Et tu aies des implications. Ne croyez pas que Dieu ne te connaît pas parce que tu traverses des moments pareils. Regarde tous ces prophètes. Jésus lui-même disait, Jérusalem, toi qui tues les prophètes. Comment Dieu permettait que ces prophètes soient tués? Cela est arrivé déjà, mes frères. Même Jésus, le Fils de Dieu. Assis sous moi, les enfants. Il fut exposé à la mort. C'est le chemin. C'est pourquoi quand tu es aussi exposé, n'abandonne pas la foi. C'est pas la crainte de Dieu qui fera que tu ne puisses pas souffrir. Craignez Dieu. C'est une bonne chose. Mais même dans la crainte de Dieu, innocent, Dieu peut t'exposer. C'est peut-être une façon d'éprouver ta foi. Mais sois fidèle. Comme cette part. Cet ange dit à Jean. Je vais ici, ouais. Qui était arrêté. Toujours dans la cabine. Il dit, ces paroles que je t'ai dites sont certaines. Ils sont vraies. En même ta situation est compliquée. L'essentiel est que tu aies les paroles qui sont vraies, certaines. Une parole qui n'est pas l'imagination de l'homme. Envoyé par Dieu. Il a envoyé son ange. Ce qui m'étonne, c'est quoi? Cet ange était capable de déplacer Jean de là où il était. Il le laisse dans la ligne de Patmos. Mais il lui présente la parole. Je t'ai dit, tu es capable de te délivrer à l'instant que tu souffres. Mais s'il permet pas cela, glorifie le Seigneur. Il a laissé Jean dans l'île de Patmos. Mais il lui a donné des paroles qui sont certaines et véritables. Et Jean était là. Il savait que même si je meurs, j'ai reçu ce qui est vrai. Parce que même si je vivais 1000 ans étant dans ses corps, je mourrai. L'essentiel, c'est d'avoir la parole de la vérité. Que quand Jésus viendra, je prendrai part avec lui. C'est ce qui soit excellent. Voilà pourquoi l'ange a dit à Jean, ces paroles que je t'ai dit sont certaines et véritables. Pourquoi c'est véritable? Parce que l'Éternel, le Dieu des prophètes, il a envoyé son ange. Ce n'est pas l'ange qui a fabriqué ces paroles, qui a fabriqué ses pensées. Mais Dieu a envoyé. Écoutez, tu peux être esclave. Tu peux être quelque part captif. Si Dieu te connaît, il créera un chemin d'une manière ou d'une autre pour que la parole de la vérité t'arrive. C'est comme ça qu'il a voulu que Jean soit rassuré. Que Jésus qui l'a appelé ne l'a pas abandonné. Il ne l'a pas rejeté. Mais il a voulu que Jean devienne un exemple. Est-ce que vous me suivez bien? Que Dieu te fasse grâce. Que te donne l'intelligence. Pour que tu comprennes. Si Dieu aime une personne, aussi dans ce monde, peu importe là où tu es,
tu te rendras compte mais par le bout de papier un message t'arrivera. C'est Dieu qui te montre qui t'est connu. Dans ce monde, beaucoup de gens ont étudié la théologie. Ils ont payé beaucoup d'argent pour aller étudier, pour connaître Dieu. Alors, il suffit que tu les entends écouter, les entends enseigner. Tu auras pitié. Alors que toi, tu n'as rien fait. Dieu t'a envoyé quelque chose. C'est peut-être toi qui ne comprends pas. C'est que tu as reçu. Oh, je suis. Il y a des gens qui, des fois, ils vous disent, ils demandent. Vous, quelle théologie vous avez appris? Ce sont des primaires peut-être qui ne connaissent rien de la théologie biblique. On a étudié les autres domaines. Rien de la Bible. Vous allez vous rendre compte, quelqu'un qui parle mal français, mais quand il vous donne la pensée, même un théologien se demande, c'est une grâce du Seigneur. Vous vivez la parole. Mettez la parole en pratique. C'est une grâce que Dieu nous a faite. Moi j'aime cette parole. J'aime cette certitude. Quand l'ange vient. J'ai dit ceci. Jean. Yohan. En ces temps-là. La grande puissance des jours c'était Rome. Et cette persécution, était sous ces Romains. Logiquement. Ils étaient sous surveillance. Et vous voyez que tous ces gars, ils n'ont pas pu arrêter l'ange qui est descendu pour apporter le message à Jésus. J'ai voulu notre Dieu. Il est très puissant, capable de frapper d'aveuglement même les ennemis qui nous détestent pour que Dieu nous fait parvenir le message. L'ange est descendu. Moi je l'ai quitté. Il n'apporte pas une part hésitante. Azali comme matin il m'a hésitant. Ah, oh, il y a comme il dit à Jean. Ses paroles sont certaines. Et véritables. Solo. Pourquoi elles sont véritables? C'est pas de votre avis que je demande. Et ça, ce n'est pas toi que je consulte. Je sais qui m'a envoyé. Je sais de qui j'ai reçu ce message. Et ces paroles que je vous dis sont certaines et vraies. Un messager doit être convaincu de ce qu'il a. Si tu ne crois pas quelque chose, des esprits des prophètes. C'est lui-là qui est le maître. Il a envoyé son ange. Écoutez-moi ici très bien. L'éternel Dieu. Yahweh Zambé. L'éternel. Yahweh. Il a envoyé son ange. Atini, moi je l'ai. Regardez, c'est au Saint-Lieu. Maintenant, suivez-moi très bien. Un seul ange. Il l'envoie. Pour montrer à ses serviteurs le prophète. Regardez. Le prophète, c'est au pluriel.
Suivez-moi très bien. C'est pas ce qui est écrit. Et ça dit que comment dit? Amen. Un seul prophète. Ah, mon sacoli, moko. Un seul ange. Mon genou, moko. Envoyé à plusieurs prophètes. Matinéri, ma sacoli, zinke. Maintenant, suivez-moi. Comment cela se passe? Il se fait que Jean n'était qu'un seul individu. Il est là à l'île des Patmos. Mais le Seigneur rassure. Les choses que je te montre, Jean, ce n'est pas toi qui a imaginé. Ce n'est pas moi l'ange. Mais l'Éternel dit, il a envoyé. Moi, ce qui me dépasse, c'est quoi? Et que Jean, qui était au coin, Dieu lui dit, cet ange-là n'est pas seulement avec toi. Il dit, moi, je suis ton compagnon de service. Écoutez bien. S'il n'avait pas dit ça, Jean pensera que, à part moi, il n'y a personne. Ah, c'est que dans ces temps ici, il faut m'écouter, moi, Jean le prophète. Parce que l'ange ne vient qu'à moi. Mais l'ange a coupé ça. Il dit, je suis ton compagnon, mais pas seulement toi. Comme je suis avec les autres, on peut t'attendre au thé dans ma cave. La souveraineté appartient à Dieu. Il connaît ses serviteurs. J'ai entendu quelqu'un enseigner. J'ai entendu quelqu'un dire, vous voyez ces prophètes, cet ange, il est venu à Jean. Il est le prophète du temps de la fin. Il lui a montré des choses que Jean l'ait adoré. Ça signifie quoi? Que le prophète du dernier temps, quand il viendra, il aura des grandes révélations que même les hommes chercheront à l'adorer. Ma terre, est-ce que vous avez bien lu cette écriture? L'ange lui-même me dit, moi, je suis ton compagnon. Maintenant que je te parle, je ne suis pas seulement avec toi, je suis avec tes frères, les prophètes. Si on est frère, pas parce qu'on a le même nom, on est frère, si nous portons la même parole, sortie d'un seul Dieu, tel que l'un des prophètes avait reçu, toi aussi tu dois prêcher la parole comme lui. Voilà ce qui fait notre fraternité. Je suis ton compagnon. Et l'ange dit, mais moi je l'ai dit, adore Dieu. Écoutez-moi très bien. Frère et soeur, l'homme de Dieu, même si Dieu te lève, même si Dieu t'utilise puissamment, faites attention. Il y a des limites. Je pense si cet ange est un Congolais, le fait qu'il a montré beaucoup de choses et que Jean l'a adoré, adore-moi quand même. Mais cet ange a dit, garde-toi de la terre. L'adoration n'est pas à mon domaine. J'ai une limite. Moi, je suis au service de Dieu. Je t'amène à adorer Dieu. La vraie parole de Dieu amène le cœur à l'adoration de Dieu. Il ne faut
ils ont dit, Balobi, toi, yo, tu es Jupiter. On salit pendant Zambé, y a ma haine à Jupiter. Qu'est-ce qu'on lui donnait, c'est son Dieu? Pour la déchirer, c'est pour la personne. Il ne voulait pas de colère. Ah, il a qui lui capotait. Il a fait des miracles. Attends, parce qu'il savait que ce n'est pas lui. C'est Dieu qui l'a fait. L'ange dit à Jean, moi je vais ici,
Ces paroles sont certaines et vraies. Car le Dieu des esprits des prophètes, il a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Regarde cet ordre. Retenez ça très bien. Vous voyez dans nos maisons, nous avons nos tuyaux ou nos robinets. C'est pas ça. Il suffit que tu ouvres là. Il y a l'eau. Cette eau là ne vient pas dans votre maison. Elle vient de très loin. Mais parce que vous êtes connectés. Il y a des canaux entre la machine et chez vous à la maison. Même si tu ne te déplaces pas. L'eau qui est consommée au niveau de la primature, c'est la même eau que toi aussi tu bois. Pourquoi? Parce que nous sommes connectés dans le même système. Est-ce que c'est clair? Tu es aussi à son système. Il a ses canaux. Il ne faut pas célébrer matin. Moi je suis sauvé. Tu es sauvé vous. Parce que Dieu, pour parler aux hommes, il y a des canons que lui-même a établi. Est-ce que c'est clair? Je prends le premier témoignage. Dans le livre de Daniel. Comment Dieu parle aux hommes? Daniel 9. Daniel est mon capot dans le bois. Je prends la partie importante essentielle. 21. Je parlais encore dans ma prière. Dans le quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment, dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide. Au moment de l'offrande du soir, il m'instruisit et s'entretient avec moi. Qui parle? Voilà. Je prends ici. Un des prophètes, Daniel. Il était sur la terre en train de prier. Mais quelque part là, il y avait un clair. Lui prit sur terre. Mais l'éternel Dieu, qui a fait Daniel en train de prier, écoutez ce qu'il dit. Cet homme m'instruisit. Je parlais encore dans ma prière. Frères et sœurs, c'est la prière. La prière et la prière. Même si tu ne vois rien, à tout ce monde est côté. Daniel était aussi captif. Est-ce que c'est clair? Dominé par le Babylonien. Il était là en train de prier. Les services de sécurité de Babylone contrôlaient les activités des juifs. Couper les bois, on les laisse. Mais aussi les voies, en train de fabriquer les épées, non, quand tu es voyager, tu es esclave, il y a des activités que celui qui domine sur toi ne te permettra pas de faire. Est-ce que vous me suivez très bien? Vous avez quoi, si tu fais de n'importe quoi, celui qui domine sur toi te laisserait faire. Quand tu critiques, tu es poli. Le diable, les diables te laisserait faire. C'est pas une activité dangereuse contre toi. Si tu te vois dans la prostitution,
Il te laisse. Mais si tes fois, mon Dieu, aie pitié de moi, il va chercher par tous les moyens de tout faire. Parce que quand tu cherches la face de Dieu, tu entends. Tu exauces les prières. Tu réponds aux prières. Daniel a compris ça. Il a commencé à prier. Pendant qu'il priait, là, Dieu qui est né. Écoutez ce qu'il dit. Je vis dans mon Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide. Croyez-vous à la Bible? Daniel est venu comment? Avec rapidité. Gabriel est allé dans l'ombre. Il est venu comment? Rapide. Je vais te dire, ne dis pas que c'est le Dieu très. C'est une doctrine fabriquée par les sons Tanzota. Ah, et Zali, Mamala Kisho, Batobasala, Pejoa et Sikana Bamasa. Si un petit ange, sauf qui, moi je nous encore. Comme Gabriel. Le corps à Gabriel. On lui donne l'ordre. Il n'a même pas le temps de traîner. Il est rapidement. Il veut faire quoi? Donner la réponse. C'est-à-dire quand Dieu fait décider. Écoutez, il fait comment? En volant. C'est pas ça? C'est-à-dire, avec les ailes, il arrive. Écoutez-moi très bien. Quand tu vois quelqu'un sur la terre, et qu'il dit, il n'est pas de cette terre, je cherche à voir. Tu es venu comment? S'il est venu par les ailes, c'est qui? Retenez ça. Qui vient avec les ailes, c'est un ange. Est-ce que c'est clair? Je répète. Si tu vois Daniel sur la terre, tu demandes Daniel. Tu es venu comment? Est-ce que tu sais que tu es voyageur sur la terre? Tu es voyageur. Tu es voyageur sur la terre. Tu es venu comment? Non. Dans quel sens tu es né ici? Ah, au bon terminé. Tu es venu comment? Dans l'avion. Dans le peuple. Il y a des gens qui ont la facilité de dire des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Les amis, Daniel dit, je suis l'homme Gabriel, venu dans un vol rapide. Ah, c'est que quand les anges viennent sur la terre, ils viennent par quoi? Ils utilisent quoi? Les ailes. Ma papou. Pour vous faciliter la tâche. Je vais prendre des témoignages. Dans le livre de Luc 1. Toujours Gabriel. Je suis caca, moi je loue Gabriel. Verset 19. L'ange lui répondit. Moi je vois un olivier. Je suis Gabriel. Azali Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Ah, là il a tel macali bosso dans Zambé. Vous voyez, celui-ci c'est qui? Azali Gabriel. Devant l'Éternel, se tient qui? Il bosso na Yahweh et Nani a tel ma. Si vous comprenez, ce qui vous est posé cela. Gabriel. Gabriel, il n'est qu'un ange. Asaka kamwa je ne m'occupe. C'est que devant Dieu, il bosse en Zambé. C'est tiens qui? Banan Matelema. Qui? Banan. Quand tu vas comprendre ta parole. Ah. Les anges, bangeux, ils se tiennent devant l'Éternel. Matelema il bosse en Zambé. Pour que l'ange sorte de là. Pour que moi je donne le waka kawa. C'est pas parce qu'il a voulu. Exactement. Il a eu beaucoup à mettre à tout. Qu'est-ce? Non. Père d'unité.
Daniel était sur terre. Les anges devant l'Éternel. Gabriel, qu'est-ce que tu es venu faire? Il dit, Alobi, j'ai été envoyé pour te parler. Il parle à qui? Luc, il parle à qui? Luc 1 parle à Zacharie. Luc 1. Gabriel est sur la terre. C'est clair. Ah. Il parle à Zacharie. Qui est Zacharie? Le papa de Jean. Et c'est clair. Maintenant parlons comme des autres. Zacharie était de quelle tribu? Azalaki na ekolonie Israël. Qui? Lévi. Donc dans la chair c'était un hébreu. C'est clair. Un jour, un hébreu sur la terre. Zacharie. Dehors, il y a ses frères, les hébreux. Est-ce que c'est clair? En dedans du temple, c'est Zacharie, un hébreu. Mais voici un autre qui est dans le temple. Il parle la même langue que Zacharie. Suivez-moi très bien. Zacharie parle l'hébreu. L'ange parle quelle langue? Ah, moi je vais en dire. Il est venu parler à Zacharie. Est-ce que c'est clair? Amen. Si toi tu entends, tu diras quoi? Il y a des hébreux qui parlent dans la langue. Parce qu'ils parlaient la même langue. Écoutez-moi très bien. Même si tu vois les gens parler la même langue, fais attention. Tu risques de prendre qui sont des frères. De la langue. Oh Zacharie, ce que je suis hébreu, de la tribu de Lévi. Mais l'autre hébreu là, qui parlait l'hébreu, il était de quelle tribu? À sa colonie. Est-ce que vous me comprenez? Vous si vous vérifiez, vous demandez Zacharie. Zacharie, qui est ta mère? Ah. Qui est ta mère? Il te donne le nom de sa mère. Qui est ton père? Donne le nom de son père. Mais si vous demandez à l'autre hébreu, qui est ton père? Qui est ta mère? Très compliqué. Est-ce que vous me comprenez? Je répète. L'ange Gabriel, moi, il est venu sur la terre. Il est venu parler aux hébreux. Il n'a pas parlé la langue du ciel. Il connaissait la langue du ciel. Mais parce qu'il s'est approché des hébreux, il a parlé. Ça fait longtemps que j'ai pris. J'ai pris cette femme vierge.
âge. Nazu moi si on gondo. Il avait l'âge. Azalaki elenge moi si. Maintenant, Kasiko il a dépassé l'âge d'avoir. Ah, alléki voulait à propos. Je continue de servir Dieu ici. Azali pourquoi pas poser. Je vais prier. Je l'ai remercié. Seulement aujourd'hui. Tu me dis ma femme là. Moi ça moi là quoi. Il a douté. Ah. Maintenant comme il a douté. Le corps a été bien. Pardon. Vous savez pourquoi il a douté? Pour la mine a été bien. Il n'a pas vu à mon idée comment Gabriel est descendu. Mais vous Gabriel est qui? Il a vu seulement sur la. Comment il va monter? Parlant la même langue. Parce que ma qui est belle bien elle. Je vous dis la vérité. Parce que ma solo. Zacharie ne savait pas. Il voit seulement un homme là. Mais quand tu me parles comme un homme, est-ce que maintenant il commence à se présenter? Quand tu as douté, je te dis premièrement, je suis Gabriel. Oh. Je me tiens devant Dieu. Oh. Je suis venu pour te parler. Est-ce que vous comprenez? C'est que si tu demandes Gabriel, on te dit Gabriel, là, ah, tu étais où? On s'en va dit devant Dieu. Nazaraki Liboson Yahweh Zambé. Ça veut dire quoi? Je ne suis pas Dieu. Tu es là. Mais quand parle, je prends la parole, je viens t'annoncer. Seulement moi quand je viens, j'utilise les ailes. Ah! Est-ce que c'est clair? Il y a eu encore quelqu'un qui a dit dans Jean 16. Ah, Zambé Nabo. Yohan Isomi Namotoba. Écoutez ce que lui-même a dit. Croyez-vous à la parole? On dit Manino Banzambé. Verset 28. Ah. Son nom c'est Jésus. Kombola Yesu Christo. Je suis sorti du Père. Et je suis venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde. Et je vais au Père. Qui parle? C'est quelqu'un qui parlait dans la langue hébraïque. Amen. Son nom c'est qui? Jésus. Son nom c'est qui? Un certain Jésus. Ah, Yesu Moko. Sur la terre. Parlant la langue hébraïque. Comme Gabriel était sur la terre. Moi, là, je me tiens devant Dieu. Comme Jésus, sur la terre aussi, il dit, je suis venu dans le monde. Vous croyez à ça? Amen. Gabriel était venu dans le monde. Gabriel était venu dans le monde. Gabriel était venu dans le monde. Parce que nous avons dit qu'il m'a dit, au moins dans l'assemblée des saints, il n'est pas permis de parler. Si je parle, j'ai transgressé la loi. Ce qui n'a l'obé, n'a pas qui m'obé, qu'on a mis sanga dans la santé. Ou qui m'a raté? Pas mamba. Ah! L'éternel Dieu connaît la doctrine. Oui. Yahweh Zambé, dis-moi mon corps. L'éternel. Yahweh. Il connaît la doctrine. Aïe, mon corps. L'éternel connaît la doctrine. Yahweh Zambé, dis-moi mon corps. Il est venu dans le jardin de l'homme. Aïe! C'était l'assemblée des saints. C'était l'assemblée des saints. C'était l'assemblée des saints. Adam était un saint. Ève était une sainte. C'était dans l'assemblée des saints. Et il a posé la question. Adam, où es-tu? Adam a répondu. Adam a répondu. Adam a répondu. Dans l'assemblée des saints. Il a répondu. Il a transgressé la doctrine. Qui lui a posé la question? Dieu connaissait la doctrine. Adam a répondu. Après, il a posé la question à Ève. Ève avait répondu. Qui m'a dit? C'est pas ça, je ne permets pas la foi d'enseigner. Est-ce que quand on pose la question, c'est ça de permettre d'enseigner? Non. Pour répondre, non, au tchilo. Nous avançons.
Jésus aussi, il est venu sur terre. Croyez-vous ça? C'est lui-même qui dit, je suis venu dans le monde. Essayons de remonter les choses. Avec Zacharie, il y avait un ange. Son nom qui? Gabriel. C'est clair? Remontons. Il quitte ici. Il rentre. Il rentre. Il arrive là où il y a les anges. Il fait quoi? Il s'arrête. Pourquoi? Parce que sa place est au milieu des anges. Il était là. Il a reçu la parole, il est venu l'annoncer. Quand il termine sa mission, il rentre d'où il était venu. Quand il arrive là étaient les anges, il s'arrête. Écoutez ce que Jésus dit. Je suis sorti du Père. C'est que Jésus était sur la terre. C'est vrai. Jésus sur la terre, Gabriel aussi sur la terre. Gabriel est venu comment? Gabriel est venu par les ailes. Ah, dans ma pop. Bon, Jésus, yes. Toi aussi tu es venu dans le monde. Mais par quel moyen tu es venu dans le monde? Parce que Gabriel est venu avec les ailes. Toi tu n'as pas des ailes. Tu es venu comment? Si tu ne vois pas comment quelqu'un est venu, voyez, au moment où il rentre, tu sauras comment il était venu. Amen. Il est simple. Si tu racontes quelqu'un à Kinshasa et qui te dit, je ne suis pas de Kinshasa, je suis venu, quand même tu ne l'as pas vu, comment il est venu, commence à contrôler. Tu les vois prendre la moto, sortir de Kinshasa, tu sauras qu'il est venu dans une moto. Ah, vous pouvez même dire, aller dans la moto. Est-ce que c'est clair? Dieu, il a fait que quand les anges, il fait quitter le ciel, il a doté chaque ange des ailes. Ah, après ça, moi, je vous montre ma part. Les quatre êtres vivants, ils ont les ailes. Gabriel a des ailes. Les témoignages des saints est vrai. Est-ce que c'est vrai? Amen. Mais Jésus, Jésus, il n'a pas les ailes. Curieusement, il parle la langue hébraïque. Il entre au milieu des Hébreux. Il parle la langue hébraïque. Maintenant, quand on fait le recensement, on commence à demander. Zacharie, et toi tu as un père. Ta mère. Si on voit les ADN, ça prouve que tu as un père et une mère. Tu es un Hébreu. Mais Jésus, il était l'Hébreu qui était son père, qui était sa mère. Comment il est venu sur la terre? Curieusement, à la fin de sa mission, nous le voyons monter dans Acte. La Bible dit, pendant qu'on le regardait, une nuée l'a confisqué, il est parti. C'est que la Bible dit, Jésus est parti au ciel dans une nuée. Or, selon la Bible, la nuée est le moyen de transport personnel. Donnez des témoignages. Ah, non, ça m'a tant.
Exode 34. Bobimi, mokade a bobimi, tout le satonami. Verset 5. Exode 34, verset 5. Olongo ya mita. L'Éternel Yahweh descendit à Kiti dans une nuée. C'est s'éteint auprès de lui. En d'autres termes,
Jésus a mon inga nanga na yote. Je vais dire ceci. Même si Adam est arrivé premier sur la terre, même si Moïse est arrivé avant sur la terre, et que Jésus est né après, celui qui est descendu après, il est plus grand que Moïse, qu'Abraham, que Jean-Baptiste, quand il était avant eux. Mais ce qui est encore plus, c'est quoi? Celui qui descend là, il avait un corps avec les os. Ce corps là n'avait ni père ni mère. Un corps descendu du ciel, mais avec des pieds, une tête, parlant la même langue que Moïse. Il est descendu derrière. Parce que toi, tu étais devant. Tes combats, c'est toi-même qui l'as mené. Tes décisions, c'est toi qui les prenais. Mais quand il descend derrière, moi j'aime ça. Quand il passe devant, il veut dire toi, recule. C'est lui-même qui combat pour toi. Et n'importe quel adversaire, lui, les terrasses. Parce que tu dois avancer. Tu dois avancer. Tu ne vas pas reculer. Ta place est là. Avance pas, prends la possession de tes promesses. Amen. Je voudrais que tu fasses une petite prière dans peu de temps. Tu dis, pendant un temps, je marchais seul. Tu es descendu toi-même. Tu as pris ma place. Je me réclame dans tous mes combats. Que je garde silence. Parce que toi, tu n'as jamais joué. Seigneur, prends défense des combats de ma vie. Seigneur, prends défense des combats de ma famille. Parce que je n'ai que toi. Depuis longtemps, je marchais seul. Mais toi-même, tu as accepté. Et je crois qu'avec toi, c'est la réussite. Lèvons-nous. Pendant que nous sommes concentrés, nous disons quelques mots à Dieu. Ce n'est pas un nom. Il ne vient pas avec hésitation. Il est descendu pour t'assurer la victoire. Il est descendu pour te défendre contre tes ennemis. Il dit l'Éternel est lent à
compatissant, miséricordieux, celui qui pardonne. Si quelque part tu te sens coupable, il est fini pour te pardonner. En tant que père, il a un dernier mot sur ta vie. Dites-lui, Seigneur, prends défense de ma vie. Prions au nom du Seigneur Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur, toi compatis, toi qui vivais dans le lieu très élevé, tu acceptes de descendre toi-même. Après que tu aies envoyé tes prophètes, oh Jésus-Christ, pour préparer le chemin, oh Jésus-Christ, ils ont préparé ta venue. Oh, et Seigneur, tu es venu conformément à ce que